C'est toi qui as mis ces fleurs? Ah non, pourquoi? Maman mettait les mêmes tous les matins. Bah, je sais pas, c'est peut-être Valentine pour te faire plaisir. Tiens, on t'a laissé un mot. Tu me manques tellement. Chaque jour est une souffrance. Sans vous, ma vie est comme une chambre noire. Claude, on est d'accord que ta mère a pas pu écrire cette lettre? Je sais. Mais ma vie tout entière est une chambre noire, c'est une réplique du film qu'on regardait toutes les deux. Je sais, t'avais un t-shirt avec le titre, c'est un secret pour personne, ça. Puis t'as vu le papier, c'est tout neuf, c'est récent. Claude, ta mère est morte il y a 25 ans. T'étais là. Vous étiez bien tous les quatre dans la voiture. Il y avait toi, ton père, ta mère et Nicolas. Oui. Personne n'a pu sauter de la voiture avant qu'elle tombe dans le précipice. Non. Quelqu'un a forcément reconnu les corps. Oui. Je l'ai trouvé ce matin à la maison. C'est l'écriture de ma mère et c'est récent. Est-ce que maman est vivante? Tu crois que j'aurais attendu 25 ans pour te le dire, ma petite? Mais peut-être qu'elle me croit morte. Mais c'est moi qui ai reconnu son corps. Je comprends que tu aies envie d'espérer, mais il faut pas que tu te racontes des histoires. Sinon, tu vas juste souffrir encore et encore. Parce que tu crois que je peux souffrir encore plus?